Bienvenue pour le troisième chapitre de La femme qui redressa son mari. Les mots nouveaux, la disette, c'est lorsqu'il manque des vivres, des choses nécessaires pour la vie. Donc par exemple, la disette peut dire qu'il manque des ressources pour se nourrir. La disette sévissait, ça veut dire que la disette avait lieu. La distribution se faisait par les deux ailes. Ça veut dire que la distribution, elle se fait par les deux côtés. Rentrer bredouille, ça veut dire rentrer chez soi sans rien. Par exemple, quand un chasseur part à la chasse et qu'il ne ramène aucun gibier, il rentre bredouille. Demander l'aumône, ça veut dire compter sur la charité des gens pour recevoir un peu à manger, quelques pièces d'argent. Il travailla avec assiduité. Ça veut dire qu'il allait à son travail tous les jours, sans rater aucun jour et toujours de manière très ponctuelle. Il était appliqué. Des ligatures, on sait ce que c'est, hein, c'est une manière de relier les sapèques entre elles. Voilà. Cette année-là, le pays souffrit d'une longue sécheresse. La disette sévissait. Dans les rues circulait une foule nombreuse de mendiants. La femme, qui gérait une maison de commerce, faisait la charité en distribuant du riz aux sinistrés. Elle espérait retrouver son mari, qui sans doute se présenterait un jour à la distribution. Et effectivement, un jour, il était là, au premier rang, à gauche des quémandeurs. Depuis le jour de sa perdition, son sort ne s'était nullement amélioré. Sur l'ordre de la patronne, les employés de la maison distribuèrent le riz à partir de l'aile droite. Lorsqu'arriva son tour, il les entendit dire « C'est tout pour aujourd'hui, rentrez et revenez demain. » Le lendemain, il arriva de bonne heure et se mit au premier rang à droite. Cette fois, la distribution se faisait à partir du côté opposé. Les employés s'approchèrent de lui. Excusez-moi, j'ai une petite allergie. Excusez-moi. Le lendemain, il arriva de bonne heure et se mit au premier rang à droite. Mais cette fois, la distribution se faisait à partir du côté opposé. Les employés s'approchèrent de lui avec les paniers vides en disant « Il n'y a plus de riz. Attendez jusqu'à demain. » Le jour suivant, il revint de très bonne heure et se plaça au milieu de la foule des quémandeurs. Cette fois, se dit-il, je suis sûr d'avoir ma ration. Il ne s'attendait pas à voir les employés de la maison distribués à partir des deux ailes, et il dut de nouveau rentrer bredouille. Il résolut de se rendre chez la femme pour demander l'aumône. Il rencontra les deux filles adoptives de la patronne et leur tendit son chapeau en criant grâce. De l'intérieur, la femme reconnut son mari. Elle lui envoya un domestique pour s'enquérir de ses capacités. Il se hâta de répondre. « Je vous prie de dire à votre patronne de m'embaucher. Je suis apte à tout faire, à laver la vaisselle, à balayer la maison, tout, pourvu qu'on me donne à manger. » Il fut reçu dans la maison. Il travailla avec assiduité
cherchant à se rendre utile. Il ne savait pas que sa patronne était précisément son ancienne épouse. Et de son côté, celle-ci ne se faisait pas reconnaître. Elle recommanda seulement à ses deux filles adoptives et aux employés de maison de le traiter avec douceur. La femme était contente du travail de son nouveau domestique. Un jour, elle le fit venir à son bureau pour s'enquérir de ses capacités intellectuelles. J'ai fait mes études à l'école quand j'étais jeune, répondit-il. La femme lui dit: désormais, je vous dispense des travaux domestiques. Vous donnerez des leçons à mes enfants et toucherez 30 ligatures de sapèque par an. L'homme ne s'attendait pas à une telle faveur. Du fond de son cœur, il remercia sa généreuse bienfaitrice. Il se donna tout entier à son travail dans l'espoir de gagner la confiance de sa patronne. Mais la femme voulut, une fois de plus, le mettre à l'épreuve. Suite et fin demain. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle nuit et on se voit demain.